Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une réaction sur le MV tout juste sorti de The NCT Dream, qui font donc leur comeback avec Ride In. Donc j'avais hâte d'entendre cette nouvelle chanson, voir ce nouveau MV. Du coup, ils nous avaient bien teasé avec pas mal de petits teasers, de plusieurs chansons. Si je me suis pas trompée, ça doit être les chansons qui sont sur du coup leur nouvel album. Ils avaient fait des petits clips, on entendait du coup un bout de la chanson, des photos, de tous les photoshoots qu'ils ont fait du coup, dont celui de Ride In. Donc du coup j'ai trop hâte de voir ça. Ça a l'air sympa, assez, esprit fête foraine, ça a l'air cool. Donc j'ai hâte de voir. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous attendiez avec impatience ce comeback ou pas. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Moi j'avais bien hâte vu que j'aime bien ce groupe, donc du coup voilà, je vais regarder sans tarder. Donc leur nouvel album s'appelle Reload, du coup j'ai bien hâte de l'entendre en entier. Mais du coup pour commencer, je vais écouter donc Ride In, donc j'espère qu'elle est bien, je pense, de ce qu'on a entendu du coup dans le teaser. Du coup, je vais le voir avec vous et c'est parti. Ne marche dessus. Ça commence bien. Ça commence fort. Tout de suite, on est dans l'ambiance. J'aime bien le son. Ah, c'est cool. C'est assez street un peu le style. Bon, du coup rien à voir avec la fête foraine, etc. Peut-être plus tard. Avec son piercing là. Je sais pas si c'est un vrai, mais. Oh, franchement j'aime bien. Cette chanson, le rythme il est cool. Après, ils font souvent des chansons qui bougent donc très rythmées. Du coup, les décors font assez street, avec du néon, ça c'est assez à la mode en ce moment. Mais ça rend super bien, c'est cool. Donc, la voiture, hein. Tuning. Ah, là c'est des motos, ok. Des belles motos. J'aime bien le rythme de la chanson, franchement. C'est encore une réussite pour eux, je trouve. Le refrain, il est bien, même si ça restera grave dans la tête, ça c'est sûr. Ok. Il y a des touches un peu futuristes. C'est cool. J'aime aussi leur tenue, elles sont sympas. Sur moto. Leur choré, elle est cool, franchement. Ok. Ouais, elle est cool. Alors du coup, c'est vrai que les photos qu'ils avaient sorties, ça faisait un peu fête foraine, mais en fait, pas du tout. C'est l'effet peut-être au milieu, le truc lumineux qu'il y avait. Ça faisait un peu style ça, et un peu comment ils sont habillés, surtout.
avec sa veste. Alors désolé, les noms, je sais pas encore les reconnaître. Mais avec sa veste rouge, les trucs pour fermer devant, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Mais ouais, ça fait très fête foraine un peu, du coup, ça m'a fait direct penser à ça, mais en fait, pas vraiment. L'esprit du clip, il faisait plus street un peu, avec les voitures, les motos, néons, etc. Donc bon, du coup c'est pas très grave, ça me dérange pas trop trop. Mais du coup, il était bien, franchement, ce MV, pas déçu. La chanson, elle est cool, elle est super rythmée. Elle est cool, franchement, c'est dans leur lignée un peu de NCT Dream. Du coup là, j'ai hâte d'entendre l'album complet. Du coup, j'ai entendu quelques petits extraits dans les teasers qu'ils avaient sortis quelques jours auparavant. Donc on sait du coup un peu à quoi s'attendre, mais bon, les entendre en entier, c'est toujours mieux, hein. Du coup voilà, donc j'ai hâte d'entendre l'album en entier. Du coup, ce son Riding, ben pas déçu, j'ai vraiment bien kiffé. Il est cool, bien rythmé et tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du coup de ce son, du MV et de l'album si vous l'avez déjà écouté, vous ou pas. Du coup, il y a aussi NCT 127, je veux dire la française, qui va aussi faire leur comeback bientôt, donc j'ai aussi super hâte d'entendre leur comeback. Donc voilà, si ça vous a plu, laissez un petit like et abonnez-vous pour pas louper mes vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo du coup.